Mes frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, bonjour. Et je souhaite que, avec bon Dieu, nous t'ai passé une excellente nuit. Moment arrivé, écoutez, que nous prenons étudier ensemble la leçon que nous gagnons pour aujourd'hui, hein, qui c'est lundi. Lundi. Mais juste avant, n'a pas récité après moi, leçon 3, la cage. Verset à mémoriser, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. 1 Pierre 1er, verset 6. La cage, c'est grand titre leçon pour semaine. C'est que l'on t'a défini cage comme étant un endroit clos servant à tenir enfermé des animaux. Ou du moins, c'est un lieu tout, côté que yon enfermé yon moun. D'accord? Il y a comme synonyme, girole, ou du moins prison. C'est ça qui cage. C'est que, d'après le verset mémorisé, il fait nous connaître que, eh bien, nous sommes arrivés à faire face à des problèmes, à des difficultés, mais tout ça, c'est pour peu de temps. D'accord? Eh bien, hier, dimanche, là, nous étions ensemble, et vers la terre promise via une voie sans issue. C'est que nous t'ai gagné le peuple Israël qui t'ai quitté l'Égypte, OK, était dû aller de la terre promise, mais on t'ai pris en direction que pas tu osé prendre. D'accord? Mais selon étude qui fait, c'est Dieu même qui t'ai permis de prendre direction ça pour que tu capable arriver ouais la gloire de Dieu. Eh bien, il était venu en phase, côté que il était pour une voie qui sans issue, une voie qui sans sortie, un chemin sans route, sans sortie. Il est revenu en situation, côté que, et il a gagné la mer rouge devant, et il a gagné sur les deux côtés montagne, et il a gagné en pas derrière, en l'armée égyptienne. D'accord? C'est que nous avouons que là, il y a une situation par contre, qui ça pour le faire? Eh bien, c'est là que bon Dieu lui pas le faire intervention pour ce peuple. C'est que le son moral que nous t'ai quimbé hier, c'est que parfois dans nos situations, nous pas pour nous plaindre. OK? Qu'on est seulement nous doué tant et délivrance qui a venu pour nous en retour là. OK, parfois tout c'est bon Dieu même qui passe nous par là pour que nous capable arriver reconnaissant de bienfaits, de protection. Et bien lorsque nous conscients de souffrance là, bien bon Dieu lui nous délivre nous, laisse ça nous pas prendre crédit hein. Bye, un l'autre monde, mais n'a bye bon Dieu. Et bien jeudi hein, c'est lundi 11 juillet. N'après eau amère. Eau amère. C'est que, n'après que dans Exode 17, verset 1er, il dit toute la communauté d'Israélites partie du désert de Sin pour ses étapes. Sur l'ordre du Seigneur, ils campèrent à Rephidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. C'est que, après que le peuple Israël quittait la mer Rouge, vous prenez direction pour désert là, et bien vous venez faire face qu'on y a avec un autre bagaille. Côté que vous faites plusieurs jours de marche, ok, vous avez une soif, vous dans le besoin, vous avez besoin de l'eau. Et bien vous faites connaître que le peuple, il a commencé à murmurer, il a commencé à plaindre dans le pied Moïse, fait qu'on est que vous avez besoin de l'eau pour bré. Vous arrivez dans un lieu qui c'est le désert de Chor. Mais lors de que arrivé à Chor, eh bien y a pas joindre de l'eau douce pour boire. On tire de l'eau jeune, c'est on de l'eau qui était amère. OK, de l'eau était amère. Lorsque vous goûtez de l'eau, il y a de l'eau amère. Automatiquement vous crachez de l'eau, ben peuple a commencé à crier dans pied Moïse. Mais Moïse même connaît que ça c'est pas douce pas rapidement là le côté bon Dieu, il dit Seigneur, et bien même peuple a crié, il a besoin de l'eau. Et rapidement, bon Dieu indiquait Moïse, il y a un bout de bois, ok,
Il dit Moïse, mais prends bout de bois, c'est ça, la guenon de l'eau. Et Moïse, effectivement, oui, il prend un bout de bois sèche, ya, et puis la guenon de l'eau, mais de l'eau, ça qui était amère, là, il est venu douce. Est-ce que nous, ouais, grandeur, bon Dieu? C'est que, et ça que, qui paraît un peu noir pour moi-même, et question que me poser, qui rapport y a un bout de bois sèche gagné il y a la transformation de l'eau qui est amère pour devenir douce. Comment on peut expliquer le phénomène ça, un petit bout de bois sèche. Mais tout ça qui fait il y a du moins avec bon Dieu pas rien qui est impossible. Tout est possible avec Dieu. Seulement il suffit de croire. D'accord, il suffit de croire. Eh bien, ça pas arrêté là. Eh bien, tu viens à Refidim. Là, tu n'as pas de l'eau pour boire encore. Parce que tu fais plusieurs jours de marche. Eh bien, c'est là que Moïse va arriver, demander bon Dieu qui ça pour le faire. Et l'Éternel t'a dit qu'il est supposé frapper Rocher. D'accord? Parler à Rocher. Okay? Et Rocher, ben, lui-même, il t'a frappé Rocher. Mais malgré ça, l'eau t'est arrivée tombée. Eh bien, parfois, est-ce que nous ne pouvons pas arriver dans une situation côté que nous ne pouvons pas savoir faire. Ok? Nous voyons nous passer par là, nous cherchons à obtenir un résultat, une réponse, mais nous ne pouvons pas jouer. Est-ce que nous pas arriver à poser question, même si le peuple israël a posé question, ça, pour lui dire ça, est-ce que bon Dieu n'a mis en œuvre? Est-ce que bon Dieu là, c'est question ça va poser dans situation que il y a. Mais est-ce que au même temps parfois dans situation pour là on va dire wow, est-ce que bon Dieu avait vrai? Tout le temps des bon Dieu bagaille, moi malade dans le besoin demander bon Dieu, il pas jamais répondre. Est-ce que parfois nous pas poser les mêmes questions ça yo? Même le fait qu'on est que bon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord, c'est que le cas, même ça que le décal était fait dans le passé, il a toujours fait dans le présent, il a une capacité de faire dans le futur. Seulement, il suffit de croire. Eh bien, nous étions là, c'était votre serviteur, Guécaleb, cette fois qu'il y a une question, il y a une lumière, nous faisons place, ça y est quand même. Nous souhaitons bonne journée dans le Seigneur.